Pour générer du contenu académique artificiel, ChatGPT acquiert les informations de nombreuses personnes, des autres non identifiables. Les politiques répètent le mantra. Nouveau, suivant. Nouveau, suivant. Données artificielles. Permettre des logiciels éthiques et des données accessibles. Le mantra. Créer de nouveaux nuages. Nouveau, considérer la sécurité. Suivant. Développer des étudiants gratuits, des autres non identifiables. Encourager les directives non autorisées. Encourager le corps professoral non autorisé. Les politiques répètent le mantra. Nouveau, suivant. Est-ce artificiel ? Données artificielles. Demandez des outils spécifiques. De nombreux outils ne communiquent pas. Utilisez votre propre intelligence. Est-ce artificiel ? Qui demande le travail que nous générons ? Est-ce artificiel ? Permet-elle ou interdit-elle l'intelligence ? Qui crée le contenu généré par l'IA ? Les logiciels ? Les étudiants ? Des autres non identifiables ? Qui crée le contenu généré par l'IA ? Est-ce artificiel ? Le travail généré par l'IA commence à être considéré comme intelligent. Quoi ? Et qu'avons-nous reçu exactement à cette fête ? Quel est notre fer ? Avons-nous écrit les mauvaises questions ? Désireux d'être inclus dans l'incertitude. Le travail généré par l'IA commence à être considéré comme intelligent. Un logiciel intelligent est-il développé pour un corps dans l'espace ? L'université considère les outils gratuits et accessibles. L'université considère l'utilisation non autorisée d'informations confidentielles. Développer des étudiants. Encourager le corps professoral non autorisé. À exister. Données artificielles. Directive pour exister. Ne communique pas. Quoi ? Encourager l'IA. Artificialiser les étudiants. Assurer la sécurité. Utiliser les étudiants. Interdire les considérer. Travailler. Demander l'intelligence. Nouveau. Autoriser les services. Nouveau. Rédiger du contenu spécifique. Recevoir la politique. Le faire sur Zoom. Signaler le corps professoral. Utiliser les étudiants. Interdire les outils. Autoriser les services. Communiquer le logiciel. Chat. Le faire sur Zoom. Les étudiants et les professeurs doivent être disponibles pour faire ainsi. Le faire sur Zoom. Quoi ? Rédiger du contenu. Voir les données et utiliser les étudiants. Quelqu'un possède des services génératifs. Pourquoi pas moi ? Quelqu'un possède des services génératifs. Mais personne ne possède le contenu de ChatGPT. Passons en revue. À quoi servent ces outils et services d'IA ? Passons en revue. La politique consiste à autoriser les cours, à interdire les outils. La politique consiste à demander l'intelligence. La politique est d'autoriser les services. La politique est rédigée par ChatGPT. La politique est de recevoir. La politique consiste à signaler le corps professoral. Quoi ? La politique encourage l'intelligence artificielle. La politique est générée. La politique est sécurisée. La politique est dans le nuage. La politique communique des logiciels. La politique inclut un logiciel et communique des informations. Quoi ? La politique est générée. La politique encourage l'intelligence artificielle. Cette phrase était trop longue. L'université considère des outils gratuits et accessibles. De nombreux outils ne communiquent pas. L'université considère l'utilisation non autorisée d'informations confidentielles. Rédiger des directives éthiques dans le nuage. Les étudiants et les professeurs devraient interdire le travail sans intelligence. Dans l'analyse de tous ces mots, il y a une énergie de mouvement vers l'avant. Commencer, encourager, développer, fabriquer. Commencer, encourager, développer, fabriquer. Dans l'ensemble des actions, nous n'avons pas de sentiment. Confidentiel, non inclus. Intelligent, non inclus. Sécurité, non inclus. Individuel, non inclus. Données artificielles autorisées. La politique générée par l'IA autorisée. Utiliser sa propre intelligence. Dans l'ensemble des actions, nous n'avons pas de sentiment. Est-ce artificiel ?